Je me rappelle en début d'année, vous étiez des jeunes pousses. En octobre, tout mignon. Et maintenant, vous avez tous pris en maturité. C'est incroyable. C'est beaucoup mieux. Vous avez compris où on voulait vous amener. Vous avez compris les placements. Vous avez compris. C'est bien. Maintenant, profitez et n'oubliez pas le moteur de l'action. Oui, du contraste, de la profondeur. Pas quelque chose de plat, de linéaire. Non, non, non. Il faut que ça transpire. Et vivant, hein ? Je m'appelle Pierre-Louis. Il y a 30 ans de cela, j'ai posé mon pied sur la planète des sourds. Et sur cette planète, j'ai rencontré Martin Cross. Il est le co-directeur de l'école de théâtre universel à Toulouse, l'ETU. 13 élèves sourds y ont fait leur entrée. Tous les cours sont donnés en langue des signes, car cette langue est l'un des piliers de l'identité sourde. Du fait de la surdité de Martin, petit, tout lui semblait interdit. Mais l'impossible d'hier est devenu le possible d'aujourd'hui. Depuis, il est comédien et a créé son école avec son ami Alexandre. Oh, les barres rebondissantes. Pas trop quand même. Dans un monde d'entendants, tout peut paraître bruyant. Et quand on a trois enfants entendants, on pourrait imaginer le pire. Bah non. Avec sa femme Caroline, qui est aussi entendante, a été décidé que la langue officielle de leur royaume serait la langue des signes. Et depuis, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Même jusque dans la cuisine. Pour. Journée. Une journée. Oui. Un journal. Journal, comme ça. Journal. Rouge. Pouvoir. Ou sinon, super pouvoir. Alors oui, tu as le pouvoir. Pouvoir. Et je peux. C'est pas le même sens.